tout le monde. Alors, du coup, je voulais essayer le papier aquarelle de chez Action et essayer les aquabrushes. Alors, je ne sais pas, ça vient peut-être de moi. J'ai eu du mal à le remplir, l'aquabrush. Alors, je vois pas trop le principe. Est-ce qu'il faut remplir, appuyer? J'ai eu un petit peu de mal à le remplir. Après, ça vient peut-être de moi. C'est la première fois que j'utilise un pinceau comme ça à eau. Donc, je teste avec la peinture qu'il y avait à Nose pour 4 euros, la petite palette aquarelle. Donc, c'est des petites couleurs toutes basiques. J'ai pas trouvé, j'aurais voulu trouver celle de chez Action parce que les couleurs m'intéressaient. Mais du coup, j'ai pas trouvé. Alors, attendez, je suis en train de tester en même temps. J'humidifie le pinceau. Alors, j'ai peut-être pas compris comment ça fonctionnait. Hein, parce que peut-être un temps pour amorcer, je sais pas. Ah, ça y est, c'est bon. C'est amorcé. Voilà. Alors, testons, vous voyez, le papier. Alors. Eh ben, le papier a pas l'air mal du tout. Il ne pluche pas. Ça glisse tout seul. Les pinceaux, je suis pas sûre de l'utiliser comme il faut par contre. Je suis un petit peu sceptique sur... Donc, vous voyez. Il ne pluche pas. Alors, à tester avec une autre couleur. Qu'est-ce qu'on va mettre? Du vert. Le plastique est un petit peu, je pense, léger au niveau du pinceau. Hein. Bon, après, pour le prix, on va pas se plaindre. Hein. Faut pas... Faut pas exagérer, ça fait le job. Hein. De bas. Vous voyez, ça fonctionne pas mal, hein. On va essayer avec le jaune. Non, ça le fait, hein. Le papier, il pluche pas. Hein. Vraiment,
Il sèche même très rapidement parce que vous voyez, le bleu est déjà sec. Donc, vraiment. Alors là, par contre, j'ai essayé de diluer un petit peu plus mon jaune, qui se fonde un peu plus avec le vert. Vous voyez le rendu. Alors, je ne sais pas si ça va rendre bien la caméra. Vraiment, c'est pas si mal. Alors, je vais essayer de coloriser les petits tampons, là, chat qu'on avait eu. Alors, est-ce que je vais faire un gris? Ah, j'ai noir, raté. Donc, on va faire un petit chat noir. Il y a beaucoup d'eau dans le. Là, pour le coup, j'ai trop d'eau. Alors, c'est la première fois que j'essaye l'aquarelle aussi. Donc, je ne suis pas. Pas une grande experte non plus, on va dire. Alors là, ça le fait. Dans les petits détails, le pinceau, il va vraiment bien dans les détails. Vraiment, ça va vraiment dans le détail. Il le fait, hein, franchement. Ça colorise. Non, il a. Pour le prix, c'est vraiment. Ça reste, voilà, correct. Hein. Faut pas. C'est vraiment correct. Hein. Voyez. On va y faire la petite truffe. Petite pâte. Vous voyez. Alors, je vais faire celui à côté, on va mieux se rendre compte. Donc, du coup, j'ai le rose, on va faire les petites pattes. Hop. Donc, on en est toujours là. Alors je vais la faire marron avec un peu de celui-là.
Hop. Et ben vraiment. C'est pas mal. Justement, je voulais m'en acheter un. J'étais prête, j'attendais un petit peu, on va dire, un petit peu sur un peu plus juillet, juin, juillet. Je m'étais dit, j'avais prévu de m'acheter un pinceau avec réservoir d'eau. Parce que je me dis, c'était plus pratique. Et puis, ça évite toutes les bêtises qu'on peut faire, comme renverser le pot, parce que ça arrive quand même, hein. Donc je m'étais dit bah ouais je m'en prendrais peut-être un sur Craftelier ou si je repasse une commande sur Craftelier j'en aurais pris un. Mais là donc quand j'ai vu dans les halls de la semaine dernière que ils en avaient sorti chez Action, j'ai dit bah j'y c'est le top quoi, franchement. Ça fait l'effet, hein. Franchement, ça le fait. Hein. Bon, après, je pense que forcément, ceux de marque ont ou encore une autre qualité que Action. Hein. Mais pour commencer, pour débuter, pour tester un peu l'aquarelle, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai fait, que j'ai beaucoup fait. Même pas du tout, on va dire, ou quasiment pas. Franchement, ça fait vraiment. Voyez, ça fait quoi. Alors, le petit nœud, on va le faire de quelle couleur? Un petit peu de bleu. Voyez, j'essaie de m'approcher. Vous allez bien voir. Alors, c'est pas très très pratique à l'envers. Donc voilà. Vous voyez. Et notre fond de carte, comme ceci. Franchement, ça fait super sympa. J'ai pris une carte, une base de carte pour voir ce que ça pouvait donner. Et donc, voilà le rendu. Ça fait une carte toute mimi. Là, si je vous ai juste fait le test, hein, je voulais pas la monter particulièrement. Mais parce que je savais pas trop le rendu. Mais franchement, ça fait super sympa, vous voyez. Avec un petit sentiment. C'est pas mal du tout. Je suis contente du résultat. Vous voyez l'aquarelle là, le papier, la qualité du papier, bah, ma foi, c'est pas mal, hein. Je trouve vraiment ça pas mal. Et puis, vous voyez la petite colorisation là, en aquarelle. Donc, pour moi, c'est un bon test. Je suis super contente. De mon petit achat. Donc voilà. J'espère que vous les trouverez dans vos actions. Sur ce, je vous dis bonne soirée. À bientôt. Et bon scrap. Bisous, bisous.